Bon, je pense avoir terminé tantôt sur le Havre-Maison, mais j'aimerais revenir sur ce que j'ai découvert aux Îles-de-la-Madeleine, mais au préalable de rappeler certaines choses concernant la recherche que j'ai menée à la Désirade, opposant la matrifocalité et la famille nucléaire. Il y avait deux théories à l'époque, deux théoriciens, là, qui un valorisait la dimension sociale, l'autre la dimension passée. Ces deux messieurs qui s'appelaient Smith, mais avec des prénoms différents. Et c'est cette recherche qui m'a véritablement orienté par la suite sur une interrogation plus poussée sur l'économie dans mes recherches en anthropologie. Et ce qui m'a aussi motivé d'une certaine façon à continuer dans cette ligne, c'est la réception critique qu'a eu mon texte de la part de Roger Bastide, l'anthropologue là, qui faisait beaucoup de recensions à l'époque, mais qui a écrit énormément de choses intéressantes et qui avait signalé l'intérêt de ma recherche pour montrer que la matrifocalité n'était pas un résultat de type historique, mais aussi se reproduisait dans des conditions socio-économiques particulières. Et c'était la part que j'avais réalisée par cette recherche. Donc, aux Îles-de-la-Madeleine, ce qui m'a propulsé à faire un doctorat, ce sont les travaux que j'ai faits avec Gabriel Gagnon sur le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec à l'époque, qui visait à transformer les Îles-de-la-Madeleine pour les intégrer au système capitaliste de façon plus poussée, mais surtout pour faire de la Gaspésie quasiment un terrain vide, là, où on voulait ramener les gens en milieu plus urbain à une époque où on imaginait qu'il y avait des coûts énormes à maintenir en région une population beaucoup plus forte. Et aux Îles-de-la-Madeleine, pour les gens, donc, ce genre de projet-là aussi a été d'un intérêt majeur, dans le sens qu'ils y ont vu, non pas une façon de quitter les Îles-de-la-Madeleine, parce qu'il y a énormément de personnes qui les ont quittées avant, mais surtout une façon de réorganiser leur système économique, en particulier la pêche et l'organisation du territoire. Et moi, je faisais ma recherche, j'avais regardé ou j'avais constaté durant cette recherche avec Gabriel Gagnon le leadership exercé par les gens émanant du Havre-Maison, qui était une petite île à côté de celle de Cap-Aux-Meules, qui était prévue comme devant devenir le centre économique des Îles-de-la-Madeleine. Il y avait énormément de gens dans vos maisons qui travaillaient à ça, mais j'ai essayé de comprendre, je voulais comprendre pourquoi ce leadership à Havre-Maison, qu'est-ce qui avait fait que ces gens avaient développé une façon de concevoir l'activité économique un peu différemment de celle des personnes vivant sur les autres îles, aux Îles-de-la-Madeleine. Et c'est ça qui m'a amené à chercher dans l'histoire profonde des Îles-de-la-Madeleine. Et j'ai fait mon doctorat, j'ai mis de l'avant un projet de doctorat qui opposait coopérative versus entreprise privée pour me rendre compte que ce n'était qu'une phase, la phase quasi antérieure à celle des travaux du BAEQ, mais que historiquement, il y avait toute une série de faits qui expliquaient la dynamique économique et comment les gens d'Havre-Maison étaient devenus des leaders. Point majeur, c'est qu'il y a eu une école de formation d'étudiantes, de jeunes filles, qui était localisée à Havre-Maison. Et deuxième point, c'est que plusieurs des résidents de Havre-Maison furent des propriétaires de goélettes qui faisaient la pêche un peu partout dans le golfe, mais allaient vendre leurs produits soit dans les maritimes, soit en Gaspésie.
Étaient des pêcheurs quasiment hauturiers, aujourd'hui on dirait des pêcheurs hauturiers, c'est pas des pêcheurs côtiers, et qui ont toujours eu ce souci de développer. Donc c'est ça qui m'a amené à chercher, à travers cette histoire, le développement qui a marqué les îles de la Madeleine, mais surtout celui d'Avromaison. Dans ma recherche, la recherche, les données amassées, tout ça, j'avais énormément, j'avais des filières au complet de données ramassées. Puis j'essayais de comprendre au travers de ça, avec un modèle, le modèle structurel ou fonctionnaliste de l'époque qui était inspiré surtout de mon directeur, là, Salisbury, qui était un fonctionnaliste en termes de méthode de recherche. J'aurais pu faire une thèse de doctorat simple, courte et simple, expliquant que le modèle passait, passait pas. Il m'avait dit ça un jour, ça m'avait surpris. Le modèle passe, puis ça va, tu viens de faire une contribution. Il passe pas, puis ça va, tu viens de faire une contribution. Ça ne m'attirait pas. Je voulais plus aller à fond, non pas que le modèle passe ou pas, mais qu'est-ce qui passe véritablement lorsqu'on analyse l'ensemble des données. L'expérience que j'avais au gouvernement du Québec avec les coopératives, mêlée à mes données de terrain, ont fait faire des brassages dans ma tête là, assez importants et m'ont incité à des lectures beaucoup plus poussées dans les approches marxistes de l'époque. De lire mes données à travers de cette grille. Mais là, je découvrais totalement autre chose. J'ai aussi revu l'ensemble de ma première écriture de thèse autrement. Et ça a donné lieu. Ça, c'est une opération qui n'est pas facile à faire. J'en parlerai plus tard là, en termes d'écriture, mais en termes d'activité, d'analyse, passer d'un modèle à un autre, tout en ayant les mêmes, à peu près les mêmes données qui sont lues différemment, c'est un exercice qui peut être périlleux. On peut abandonner parce que c'est très exigeant. J'ai poursuivi et j'ai passé au travers. Donc, ça m'a permis de soutenir ma thèse de doctorat en 78, puis d'avoir mon doctorat en 79, un peu plus long que d'autres à cause de ça, mais aussi parce que j'avais eu ce cheminement au travers du travail, là, par le travail, à l'intérieur du monde coopératif. Donc, aux îles de la Madeleine, il y a un autre point important. Il y a le travail avec les milieux coopératifs du gouvernement, mais il y a aussi ma relation avec les Madelinots. Quand j'étais aux îles, pour différentes raisons, bon, j'ai établi des liens de collaboration et d'amitié avec un certain nombre de personnes qui m'ont par la suite incité à écrire des textes sur ce que je découvrais. Et j'ai collaboré avec Monsieur Bourque, à l'époque, il est décédé aujourd'hui, écrire dans un petit journal Le Pêcheur, qui côtier, je me souviens plus trop. J'écrivais des textes, peut-être à tous les 3 semaines, il y avait une parution, c'était distribué aux pêcheurs. Bah, je suis devenu lu par des pêcheurs sur ce qui les intéressait, parce que j'essayais d'expliquer historiquement les différentes pratiques de pêche. Qu'ils ont réalisé, le contexte dans lequel ils les ont fait, même une grève qui a eu lieu, dont j'ai été animateur, c'est pas tout à fait le terme, là, parce que j'étais pas là, j'étais tout simplement une personne utilisée par eux pour établir certaines choses, même faire des pancartes, etc., pour la grève. Donc, j'ai eu beaucoup de ce genre de contact avec les Madelinots et je me souviens très bien, je revenais, j'avais terminé mon terrain, j'étais en train de repenser mon approche
dans une lecture marxiste à cause. Puis je travaillais au gouvernement du Québec et on m'avait mis en contact avec la problématique des coopératives aux îles de la Madeleine, notamment en pêche, dans le transport maritime, parce qu'il y avait la coopérative de transport maritime, il n'y avait rien. Il n'y a rien d'aérien dans cette coopérative-là, mais il y a quand même un gros bateau qui fait la navette entre Montréal et les îles, puis entre les îles et l'île du Prince-Édouard. Et sur ce bateau, en revenant, je me suis retrouvé avec le préfet de comté, le capitaine du bateau, deux maires des îles, un président à la même table dans le restaurant, en train d'échanger de façon informelle. Et là, on m'a demandé, clairement, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as trouvé? Bon, j'ai expliqué un peu ce que je pensais avoir trouvé, parce qu'on n'est jamais trop certain de ce qu'on a trouvé. Et les gens me regardent. Ben, il fallait nous le demander, on te l'aurait dit. C'est ça, pour nous, la réalité. Et là, ça a été pour moi une révélation. Donc, dans le sens que, pour une fois, j'ai eu le sentiment clair que j'avais trouvé quelque chose, puisque ça correspondait à la conscience que les gens avaient d'eux-mêmes et de la situation dans laquelle ils vivaient. Toute la question de dépendance par rapport au Québec, au Canada, au système de pêche, les tout ça était clair, très clair, formulé en des termes très simples, qui correspondaient à, pour moi, peut-être 2 ans de recherche et 4 ans de réflexion pour apprendre à la table en l'espace d'une heure et demie que c'était ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été quasiment convaincu. Je dirais que plus que convaincu, j'ai fait de cet échange avec les gens sur le terrain ou avec les personnes avec desquelles on obtient des informations, une obligation d'échange, de contact, de transmission d'informations. Et c'est peut-être ce qui explique, en fait, c'est pas peut-être, c'est ce qui explique, je pense, en grande partie, le fait que j'ai écrit énormément de textes, en écrit peut-être une vingtaine aux îles de la Madeleine dans les journaux locaux. Puis, par la suite, bien, c'était dans les médias québécois, La Presse, Le Soleil, Le Devoir, et différentes revues qui ne sont pas des revues scientifiques, mais qui permettent de rejoindre les personnes et d'avoir aussi des réactions de leur part, de commenter ce qu'on fait, puis je dirais même dans certains cas de se placer en conflit majeur avec des lignes de pensée propres à certains groupes. J'y reviendrai là, quand je parlerai de mes études sur le nationalisme québécois. Donc, aux îles de la Madeleine, c'est un peu ce qui m'a, je dirais, formé à l'échange, à l'obligation d'échange. Les recherches ultérieures que j'ai réalisées, en fait, il y en a un certain nombre qui sont ponctuelles, d'autres plus, disons, qui ont une plus grande constante. Une, c'est celle de comparer 3 villes du Québec en termes de développement économique. Plessisville, Saint-Georges et Tête-Fermaine, ça. Ça a été, pour les étudiants, une bonne source de revenus, dans le sens que plusieurs ont fait du terrain grâce aux fonds que j'avais obtenus pour cette recherche, en passant, qui était initialement mise de l'avant par, avec moi et 2 autres personnes, Pierre Durand et Lise Pilon. Donc, Pierre est parti, Lise s'est exclue. Total, à la fin, je me suis retrouvé seul dans cette recherche avec un certain nombre d'assistants parce que je faisais piloter des activités de recherche dans 3 villes en même temps. Donc, je ne pouvais pas
faire les trois. Je faisais du terrain, moi, auprès des gérants de banque, sur des affaires, des maires. Les étudiants travaillaient plus à d'autres niveaux parce que il m'apparaissait que ça les aurait peut-être dérangés d'aller rencontrer ces personnes-là. Donc, cette recherche, toujours faite dans une perspective marxiste, parce que là, j'étais axé dans ce genre de problématique, m'a permis de découvrir des différences majeures dans le développement local en période de crise, parce que ça se passe dans les années 80, où une crise assez importante qui cours dans le monde capitaliste, là, avec les augmentations des taux d'intérêt, les augmentations du chômage, etc. De sorte que dans chacune des villes, il y a eu des comportements différents, et selon la constante qui se dégageait, c'est selon les niveaux d'organisation du monde du travail, donc toujours mon intérêt puis ma sensibilité à l'égard du milieu ouvrier. Selon les niveaux d'organisation, les réactions à l'intérieur de chacun des milieux variaient. Par exemple, à Plessisville, l'organisation du milieu du travail était plus en boutique, là, syndicats de boutique, très peu de syndicats majeurs. Et il y avait quand même un nombre important de travailleurs syndiqués qui réussissaient à dire le mot, mais n'avait pas une grande influence par rapport à la petite bourgeoisie et à l'entrepreneurship local ou la chambre de commerce. À Tête-Fermain, c'était différent. Le monde syndical, même s'il y avait des problèmes au niveau de l'extraction minière, était très fort. Il était fort aussi dans les services publics, de telle sorte qu'avec une baisse des activités économiques dans les mines, les entrepreneurs locaux cherchant à développer des circuits autres et arrivaient difficilement à lever parce que les exigences syndicales faisaient qu'on demandait des salaires beaucoup plus élevés que ce que pouvaient offrir ceux qui auraient travaillé, les entrepreneurs de ces entreprises-là. Donc, ça stagnait. Tandis que à Saint-Georges, c'était tout à fait différent. Le niveau d'organisation du milieu du travail étant quasiment nul, il existait seulement dans les secteurs de l'enseignement et de la santé, mais encore de façon assez faible. Le patronat était bien organisé, les travailleurs étaient bien exploités. Leur type de revendication ne recevait rien. Ils acceptaient même des diminutions de salaire pour permettre aux entreprises de continuer à opérer. De telle sorte que quand on regardait les activités dans les trois municipalités, en Beauce, le taux de chômage n'avait pas du tout augmenté à Saint-Georges. À Plessisville, il était à peu près de 30 %. Et à Tête-Fermain, il était aussi très élevé et sans possibilité de relance. Donc là, je constate l'influence du pouvoir du monde ouvrier dans le développement local et aussi des limites que ça et les contraintes que ça fait au patronat en obligeant à se développer dans des secteurs plus de pointe, là où l'organisation des forces ouvrières est forte. Alors que là où elle n'est pas, on peut développer, on peut mettre de l'avant des entreprises qui sont au total pas du tout compétitives à l'échelle internationale, mais peuvent l'être pour des secteurs qui sont pas complémentaires à l'économie du Québec. Ce modèle-là, l'exemple de ces trois villes-là, pour moi, m'a permis de voir plus clair le cas du Québec dans son ensemble, et jumelé avec mes recherches aux Îles-de-la-Madeleine concernant le développement et dépendant, mais là, je me suis mis à penser Québec. Donc, l'autre champ de recherche qui est devenu, pour moi, celui le plus important, je dirais, durant les 20 dernières années, puis y compris aujourd'hui, c'est devenu Québec comme entité territoriale et provinciale. Et j'ai plongé dans l'histoire du Québec comme j'avais plongé dans l'histoire des Îles-de-la-Madeleine.
Donc j'ai cherché à comprendre du début à la fin. Le régime français, ça n'a jamais été mon phare, donc je n'y ai pas touché, puisque ce n'est pas ça qui continuait à se développer. C'était un système à l'intérieur d'un régime politique britannique qui est devenu canadien. Donc, le Québec est devenu mon objet central d'étude. Et le faisant, bon, les coopératives au Québec ont été sous mon œil d'observation, le mouvement syndical aussi. Mais surtout, je dirais, surtout le nationalisme, la façon dont le nationalisme s'est développé. Et j'ai pu assez rapidement être en contact avec... En fait, être en contact, de voir l'incidence de l'Indirect Rule sur le développement du Québec. Il y a même... j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus qui sont avérées assez recevables. Il y a des gens qui me disent toujours « Ah, c'est toi, l'Indirect Rule », comme si ça avait été moi, alors que c'est un modèle qui était connu très bien de Papineau, qui était connu très bien de René Lévesque, qui était connu très bien d'André Laurendeau, qui était connu très bien de même Pierre-Éliott Trudeau, et de mon ami Guy Laforêt, qui ont tous noté comment les Britanniques ont géré, après la conquête territoriale de 1763, je dis bien territoriale, et non pas des gens, ils n'ont pas conquis les gens... d'origine française et des ressortissants français qui étaient sur le territoire de la Nouvelle-France, entre 1760 et 1763, étaient invités à retourner. Salut, bye-bye. De qui? Ben oui, ça faisait partie des règles de conquête territoriale qu'on offrait à la population. C'était une règle qui existait depuis une centaine d'années déjà, auxquelles on ne fait jamais allusion. Et l'Angleterre, avec entente avec la France, a permis, pendant cette période-là, aux ressortissants français de retourner. Donc, la plupart des soldats français de haut rang sont retournés. Les dirigeants, les représentants de la France sont retournés et sont restés sur place quelques seigneurs, parce que... S'ils étaient retournés en France, ils n'auraient pas eu de seigneurie. Et des gens qui, issus de l'immigration française, étaient devenus des colons, qui habitaient sur le territoire, principalement en dehors des centres emmurés. J'appelle ça des centres emmurés. La ville de Montréal, la ville de Trois-Rivières, la ville de Québec étaient emmurées. C'était des villes à l'intérieur desquelles les gens étaient très soumis à l'ordre politique en place, mais à l'extérieur, c'était différent. Donc, les gens qui étaient à l'extérieur sont restés s'imaginant ou pensant qu'ils pourraient éventuellement voir les choses changer dans l'ordre. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, cette période de 1760, même la période de la guerre de 1755 à 1760 et m'a intéressé. On parle beaucoup de la bataille des plaines d'Abraham, mais c'est pas là que ça se joue. C'est ce qu'on oublie. La bataille des plaines d'Abraham, c'est un élément à l'intérieur d'une bataille qui se fait dans l'ensemble d'Amérique sans Louisville. Pas Louisville, mais... bon, j'oublie. Oui, c'est Louisville. La perte d'une forteresse française en Nouvelle-Écosse. Louisbourg. Louisbourg. Sans la perte de Louisbourg en 1756, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas de pilote britannique qui s'amène dans le golfe du Saint-Laurent, puis surtout pas un nombre aussi élevé de bateaux qui arrivent. Et bon, la perte de Québec, c'est quand même le lieu politique majeur, mais ce n'est pas là que l'Angleterre va gagner, à mon sens. C'est plus en 1760, lorsque Lévis va rendre des armes à la demande de Vaudreuil. Donc, c'est là que ça se fait. Et ça se fait dans un contexte où
l'armée française est attaquée via le Saint-Laurent par une descente de l'armée britannique qui était restée sur place, par les Grands Lacs et par le lac Champlain. Donc, il y a trois charges majeures qui se font sur Montréal. En plus, le fort Chambly est objet d'une pratique très, très particulière, c'est que les Britanniques, l'armée britannique, font sortir femmes et enfants et vieillards des maisons et s'en servent comme boucliers pour attaquer le fort Chambly. Tu es père d'une des enfants, tu es mari à l'intérieur du fort, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas tirer sur tes enfants, tu vas pas tirer sur ta femme, surtout sur ton père aussi. Donc, ils rendent les armes et c'est comme ça que a été invité. Puis, un autre point majeur qui est rarement cité dans le cas de cette défaite, c'est le traité qui va être signé avant la reddition de Vaudreuil à Oswegatchie, le traité d'Oswegatchie, qui est signé entre les Amérindiens et les représentants britanniques pour rendre les Amérindiens neutres dans ce conflit, alors qu'ils étaient des supporters de l'armée française jusqu'à ce traité-là. Donc, ce traité transforme complètement la situation. Les milices canadiennes de l'époque sont neutralisées, et comme elles avaient été neutralisées parce qu'on a brûlé les maisons, on a tué les animaux qu'ils élevaient. Les Amérindiens sont neutralisés et il ne reste que les soldats français qui sont emmurés à Montréal. Puis la pression se fait des dirigeants à l'intérieur de cette entité politique. On va faire la paix pour essayer de survivre. Donc, et là, c'est la grande victoire qui va amener le retour des ressortissants français. Donc, après cette période-là, ça, je n'ai jamais compris pourquoi on ne parle jamais de Oswegatchie. Ça, c'est une autre obsession que j'ai, là. J'en ai déjà parlé à Louis-Jacques, puis il dit, ouais, c'est quoi ça? Donc, c'est pas rentré dans la lecture des relations avec les Autochtones. On parle plus de la grande paix, la nouvelle paix, mais ça, ce traité d'Oswegatchie va être renouvelé en 1769, parce que les Britanniques veulent se protéger contre les Américains en utilisant les Amérindiens. Et il va servir de base ultérieure à la Cour suprême pour justifier l'existence de droits aux populations autochtones. J'ai rien contre ça, mais il faudrait quand même en faire écho. Et cette reconnaissance de droits s'est faite, on l'oublie aussi, en 1994. Au moment où Jacques Parizeau, du gouvernement du Québec, négocie avec les Amérindiens sur le territoire du Québec pour établir une autre relation. Et la Cour suprême dit reconnaît à ce moment-là des droits nouveaux aux populations autochtones. Et ça a amené le retrait de ces populations autochtones de la négociation avec le gouvernement du Québec. 1769, en 1994, rien. Pouf, tout d'un coup, ça réapparaît. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très important à Oswegatchie. Ça va?